nous attend Loïc Braillet, Loïc sélectionneur. Le seul vrai bleu, c'est moi. Vous êtes tous des fictifs. Ça va, Ben Laden? Bon, on va aller voir la pizza. Oui, c'est la première fois depuis très longtemps, effectivement, que Didier Deschamps... Putain, tu tires pas sur le Macron, ça tourne en boucle. Bon, voyons voir. C'est bon, ça a l'air bon. Oui. Le gaz là. Oui. Ça va être chaud. Hein. On va le mettre où? On va tuer un truc hein, aux trois mortadelles. Qui remettent le Macron en boîte sauce Rothschild. Pas si joli. Il faut appeler un chat, une chatte, une chatte. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Regarde, tata, j'ai fermé le gaz. Je vais manger ça. J'espère que tu vas sortir mardi. Hein. Vous en avez pas marre d'être des fictifs de la vie, comme tous les gens de la ville. J'ai fait les TIG pour Escrozy. Prenez-moi pour un con. Une fois, je suis revenu avec la remorque pleine, ils m'ont dit, mais t'es fou, quoi. Faut le laisser au mec du soir. Le mec du soir, mais t'es fou, quoi. Faut le laisser au mec du matin. Et quand j'ai bossé au garage de... Pas Escrozy, c'est... Si, c'est Escrozy. Station Joffre. Je suis bien content que la distrib, elle a pété, en fait. Il y a des assurances, hein. C'est marcher l'assurance. Hein. Marquer vite, essayer de ne pas douter et de gérer mon plus petit salaire du monde. Les Bleus ont l'avantage également de connaître le résultat de la Suède qui joue juste avant contre le Luxembourg à partir de 18h ce soir. Et la France sera, si elle attaque cette rencontre en Bulgarie, à la première place ou à la deuxième place du groupe A. Mon patron, il n'est pas là. Mon patron, il est pas sur Terre. Patron de mon esprit, de ma subconscience. Vous comprenez pas, mais j'en ai rien à foutre. Enfin, j'en ai pas rien à foutre, j'essaie d'expliquer. 4-0, mais toute notre confiance est retombée finalement après le 0-0, triste 0-0 contre le mal est sur Terre. Vous voyez, le tableau est très important, je voudrais vraiment expliquer. Et vous voulez pas en sortir. La Suède est actuellement deuxième du groupe, mais joue contre le Luxembourg. C'est éternel, c'est fait pour ça. Non, je suis Christ de Nice. Je dois reprendre mon diocèse en 17, j'ai même pas réussi. Bon, ben, mai 68 en 2018, mais... cette fameuse première place qui est directement pour le mondial 2018 avant le dernier match, la dernière journée. C'est un peu long. Se joueront en même temps, mardi soir à partir de 20h45, la Suède ira. Enfin, on se démerde comme ça. Hein. On va se taper la pizza, puis après, il faut partir à l'hosto. On va aller voir Tata. Voilà, voilà. Tata l'oracle. Spider-Man, il attend mais Cattleman, et il a Tata l'oracle. Et en plus, il vous emmerde. Enfin, les cons. Moi, je dis ça pour les cons. Au Parc des Princes de Stade de France, à l'époque n'existait pas. Après, pour comprendre si t'es un con ou si t'es pas un con, je sais pas, prie, fais quelque chose, je sais pas. Demande à l'esprit qui vienne t'habiter. Pour les Bulgares qui vont au mondial et la France est tristement éliminée. Alors ce soir, c'est les Bleus perdent au match nul, je le rappelle. Il y aura encore un joker contre la Biélorussie et peut-être la possibilité ensuite. Pourquoi vous avez fait un enfer sur Terre? Toujours les gens du pouvoir qui ont toujours fait chier tout le monde. Toujours un connard qui est plus main que les autres, qui dirige les autres. Et c'est comme ça qu'ils ont tout massacré et qui continuent. Areva, Areva. Hein? Et le machin au Mali, là, l'uranium au Mali. Hein? Non, mais prenez-moi pour un con. Je vais te le dire tout de suite, moi. Je t'emmerde. Si t'as un cerveau reptilien, c'est pas de ma faute. Si t'as juste un cerveau primitif, bon, t'es au pouvoir. Donc, crucial qui est à vivre ce soir sur BFM TV, édition
spéciale dès la mi-temps. Mais si tu as la troisième couche du cerveau, bah t'es malheureux, et puis t'es triste, et puis t'es pauvre, parce que tu veux pas vendre ton âme. Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Ces dernières heures, quelques signes timides certes d'apaisement dans cette crise entre Barcelone et Madrid. Une volonté de reprendre le dialogue avec et dans la capitale espagnole cette manifestation. Je vais l'avoir ma révolte, je vais l'avoir. Vous voyez moins visible pourtant jusqu'à présent, ils sont des milliers à être descendus de pizza, quand même. Pour participer à une marche patriotique de l'unité. Je vais l'avoir ma révolte. Et dans le même temps, à Barcelone, manifestation de ces Catalans qui sont partisans d'un dialogue. Igor Seyri, vous êtes sur place pour BFM TV, pas de prise de position pour l'un ou l'autre camp, mais une volonté d'apaiser les tensions aujourd'hui. On va dire que tout le monde sert à quelque chose. C'est bon. Oui, apaiser les tensions entre Barcelone et Madrid, entre les dirigeants de la Catalogne et le pouvoir. La répète, c'était cool quand même hier. Mais bon, on va plus jouer. On tapera des bœufs. Sur cette place de Barcelone devant la Generalitat. C'est genre ma faute, je suis pas assez sérieux, c'est moi qui ai le numéro. Bon, bah tant pis. Le conseil exécutif pour dire. Depuis que je suis né, je suis victime d'ostracisme. Même les papiers sont faux. Même l'acte de naissance, il est faux. Tout est faux. Voilà. On va se démerder comme ça. Mais quand même, là, Judas. Et du vivre ensemble. Voilà le message qui a été envoyé par avec humour en proposant une thérapie. Hier, j'étais à moins 118. Aujourd'hui, je suis à moins 32. J'espère quand même que je peux pouvoir prendre un ticket de bus Victor. J'ai tiré 20 balles, j'ai pris du tabac, j'ai payé l'épicerie pour la journée. Et je sais pas comment je vais faire maintenant. Il va falloir m'amener des bières hein, tous les jours. Hein. Je sais pas, il va falloir faire un truc. Ça fait peur. Et ça fait. Ça tombe les tripes. Moi, s'il n'y a pas un peu d'éther dans la science, ça va pas du tout. Hein. Je redonne des cartes. Hein. C'est très dur. Tu vois le truc, oui, c'est très dur. Certains d'entre eux seront demain à la manifestation. Autant qu'ils remettent le Macron. Contre l'indépendance de la.